Le Père de moi, choisis-tu de la salle,
Alléluia. Tu vas te donner cette vie. Et tu vas prier maintenant.
tu vas dire que tout esprit méchant qui m'a accompagné en ce lieu pour m'empêcher de recevoir ma liberté, de recevoir ma délivrance, de recevoir ma restauration, comme maintenant, l'épée du Seigneur descend pour les égorger, pour les égorger, pour les égorger, pour les égorger. Prions le puissant de Jésus. Prie. Dis que tout esprit de famille, tout esprit de sorcellerie, n'est pas qu'un esprit qui a pour but de m'empêcher de recevoir ma liberté, ma restauration, ma délivrance. Que le Père les écorche, que le Père les écorche, que le Père les écorche, qu'il soit écorché, qu'il soit écorché, qu'il soit écorché. Tu vas prier encore. Tu vas prier.
Joshua dit que tout est fort. Ah non, mais ta voix est là-bas. Tout est fort. Mais ta voix est là-bas. De ma vie. Mais ça, c'est ton. Qui a pour plus. De l'eau. De l'empêcher. Moi, je vois un ami. Je vois la main que Dieu te montre ce soir. Alors, quand on personne est dit. Que la main de l'éternel. Alors, quand on. Personne ne te dit. Je te dis bien. Que le sang de Jésus.
Détruis-les.
Jésus. Voilà, il y a son prix.
prier. Que Jésus-Christ t'envoie. Le nom de Jésus m'a prié. Tu vas prier encore. Tu vas prier. Tu as dit que tout règne. Ah non, Alléluia. Acclame pour Jésus.
Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Jésus. Au Père Jésus. Au Père Jésus. Jésus n'a pas de au Père Pendant que tu acclames Jésus, Jésus n'a pas besoin de Zedakawe. Jésus-Christ élève ta vie. Jésus, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons élever ton Saint. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons glorifier ton Saint. Parce que sur la terre, comme au ciel, c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui règne. Comparable à toi, n'existe pas. Parce que tu es seul. Donc, il est joy. Seigneur, Okunon, dans cette vie de paix, beaucoup de tes brebis, oh, vite les soussous, des âmes, Alitone, pour qui tu as versé ton sang, de où tu as con, tu es coin, beaucoup de ces âmes, soussouillez-t-on, vivent encore dans l'ignorance. Vive encore dans la captivité. Vive encore dans les chaînes. Vive encore dans l'esclavage. Vive encore dans la prison. Les prisons de sorcellerie. Les prisons de malédiction. Les prisons d'envoûtement. Et tu es venu ici. Pour briser leurs jupes, pour briser leurs chaînes, pour détruire leurs liens de captivité. Et tu as commencé depuis hier. Et l'ennemi n'est pas content. L'ennemi a lancé des représailles. Mais il a échoué. Parce que tu es venu à Ekpe ici pour rester à cause de tes prémices. Alors Seigneur, le moment est venu. Dis-leur un mot. Parle-leur pour les libérer. Pour les libérer. Pour les délivrer. Seigneur, règne dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore. Amen. Amen. Population de paix, Togo et Péton. Une fois encore, nous vous bénissons. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. La parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, le fait de que on nous a délogé de là-bas. Moi, je suis en train de voir le côté positif. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de voir que c'est le Seigneur lui-même qui a accepté que cela se passe ici. Parce que donc, là où il veut vous voir, en réalité, c'est pas là-bas. C'est ici. Alléluia. Amen. C'est ici qu'il veut vous voir. Donc, il nous a amené là-bas pour vous informer. Et vous êtes déjà informé. Maintenant,
et vous sort de l'Égypte et de mission Égypte ici pour vous amener ici. Donc, c'est ici le travail va commencer. Le travail de la libération, c'est ici ça va se passer. Le travail des grands combats. C'est ici ça va se commencer. La libération de vos âmes. C'est ici ça va se passer. C'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Hier ce qui s'est passé, nous le Seigneur vous a montré au cours de Yami que avec son nom, voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre fille. Que le Seigneur a commencé à délivrer hier. Regardez comment elle est venue aujourd'hui. Lève-toi ma fille, elle a enlevé tout. Voilà. Ça veut dire qu'un travail a commencé. Elle fait partie des brebis pour lesquelles Jésus nous a envoyé. Alléluia. Amen. Jésus va faire son travail proprement. Elle ne va jamais servir dans la sorcellerie. Elle va travailler pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc, toi aussi, Jésus, qui a écouté ça, il faut informer tes amis. Jésus veut voir tout le monde ici. Jésus vient me mettre pour ton fils. Ceux qui veulent aller au ciel. Mais John il sert les. Ceux qui veulent que Jésus-Christ. Mais John Jésus opère dans leur vie. Et nous voisons pour quoi ça est tombé. Le Seigneur veut les rassembler ici. Au courant et j'ai plié le fils pour leur libération. Non, je le coco dit qu'il est tombé. Pour leur restauration. Non, votre radio est tombé. Et ce qu'il veut seulement, c'est l'obéissance. C'est ici. On va vous enseigner comment aimer Dieu. Comment lui obéir. Comment l'adorer. En esprit et en vérité. C'est ici. Filez-le. Vous allez apprendre cela. Et la plombe nous est l'aide. Et le Seigneur va au coulo. Va vous utiliser. Et la voix. Parmi vous, comme il aime, il y a les chambres. Et leur rendit-toi les demain. Amen. Amen. Parmi vous, comme il y a des pasteurs. Et leur n'importe les demain. Parmi vous, comme il y a des évangélistes. Il y a des prophètes. Il y a des docteurs. Alléluia. Amen. Il y a des apôtres. Parmi vous, il y a des beaucoup qui ont des dons que le Seigneur va activer. Et vous aussi, vous allez imposer des mains. Il y aura des miracles. Bon, nous avons tu vas imposer les mains. Et il y aura des guérisons. Bon, il y aura des délivrances. Parce que si tu obéis à Jésus, Jésus va te donner aussi la puissance. Jésus n'a pas Jésus. C'est pour ça que, et dans toute raison, il a dit de venir. Et dans demain nous sommes encore là. Au sort, nous allons demain matin. Au sort à fond, nous allons faire le premier culte. Ensemble. Nous allons chanter pour Jésus. Nous allons louer Jésus. Nous allons adorer Jésus. Nous allons glorifier Jésus. Et vous allez voir comment ça marche. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur veut que nous poursuivons.
Le travail que le Seigneur a commencé hier, à son éveil au sort, ça va se poursuivre. Et là, il nous compte. On a déjà dit, Nicolo, quand le Seigneur vous appelle, vous venez tel que vous êtes. Minawa, l'idée, quel que soit ce que tu es, que tu sois prostitué, Ateya Galeto, que tu sois voleur, Ateya Chuto, que tu sois bandit, Ateya Mufito, que tu sois drogué, Ateya Genuto, que tu sois sorcier, Ateya Seton, tout ce que tu es, le Seigneur te dit, viens. Okuno Donoero, Aniwa. Maintenant, si tu viens, Dini Awa. Et tu veux rester avec lui, il va te dire, voici comment ça va se passer. J'ai versé mon sang pour toi, pour que tu sois sauvé. Et si tu crois en moi, marche avec moi, tu auras la vie éternelle. Tu seras en sécurité. Tes problèmes spirituels, bon, seront réglés. Maintenant, dis, pour que je continue de te protéger, ni et pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, bon, tu dois juste obéir à la parole. Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Si je te dis ceci n'est pas bon, ni non, les maillons, tu dois abandonner. Si je te dis ceci n'est pas bon, ni dans la que nous les maillons, tu dois abandonner. Si je te dis ça, c'est mauvais, ni dans la que et non, tu vas abandonner. Et quand c'est comme ça, on est au bon. La relation entre nous, dès notre domicile, je vais tirer. Et dans votre tête, voilà comment le Seigneur présente les choses. Donc vous tous qui êtes venus, mais quoi de quoi? Jésus même a dit, Jésus le soudain. Beaucoup sont appelés. Mais peu selon Élie. Parmi vous, peut-être que certains sont venus seulement regarder télé. Et peut-être que certains sont venus. Qui sont servi, ceux qui sont venus seulement pour regarder vidéo. Celui qui est venu seulement regarder vidéo. Mais qui sont ceux qui sont venus pour rester? Ou adorer Jésus avec nous. Pour enseigner sur la vie. Ceux qui veulent vraiment mais rester avec nous. Non, finalement. Pour adorer Jésus avec nous. Pour enseigner sur la vie. Vous êtes sûr? On ne ment pas devant Jésus. Hein? Donc oui doit être oui. Il ne faut pas que ton oui devienne non. Faut pas que ton oui devienne non demain. Moi je sais que quel que soit ce qui va arriver, donc aussi des je sais que ma fille là va rester avec nous. Mais non, je sais que la maman là va rester avec nous. Maman là, elle est nos filles. Je sais que la tante là va rester. Tante elle est sur nos filles. Je sais que celle là aussi va rester. Non, sur nos filles. Je sais que tous ceux qui sont ici vont rester. Non, mais fille là, je sais que la maman là va rester. Non, maman là est nos filles. Je sais que ma tante là aussi va rester. Non, tante elle est sur nos filles. Je sais que tous ceux là vont rester. Non, mais elle est quoi? Non, je sais que tout le monde va rester. Non, mais elle est quoi nos filles? Alléluia. Amen. Le travail à son que Jésus a fait dans notre vie. Si on commence pas à te raconter, c'est trop. Et sous le travail à son que Jésus a fait dans la vie de chacun. Donc, personne me le coule. Chacun va commencer pas à te parler. Mais le coule, quoi, c'est trop, on va pas quitter. Et sous moi, c'est trop vite. Il a fait trop de choses dans notre vie. Et qu'on va nous quitter le présent. Et c'est pour ça que. Où est notre présent? En foi. Pour vous annoncer. Pour que vous aussi vous acceptez. Non, mais les soumets, le temps que vous avez passé dans les chaînes là. C'est trop. Ça a trop duré. Le temps que vous avez payé les bougies. Sans obtenir bon quelque cause. Bon maman, ça a trop duré. Écoutez pas. Le temps que vous avez payé à ce qu'on aime, les selles
flacons-les. Ça a trop duré. Écoutez. Le temps qui est venu maintenant, le temps d'obtenir le salut gratuitement. Le salut que Jésus a amené à Éphèse, c'est le salut gratuitement. Le salut gratos. Gratuitement, gratos. Tu n'as rien à payer. Ce que Jésus veut seulement pour toi, c'est que tu donnes. Le Seigneur Jésus, au couloir Jésus, va commencer par vous transformer. Et là, j'ai dit, transformer. La transformation va commencer. Ça a déjà commencé. Certains ont déjà commencé par enlever les choses de Satan. Ils ont déjà commencé à enlever. Je te dis, ma fille, tout ce que tu as enlevé, le Seigneur Jésus, au couloir Jésus, va te donner un joli mari. Et là, non, à soudain. Alléluia. Amen. Toutes les choses que tu as mis sur la tête. Et nous et à zéro tadilaire. Toutes ces choses-là, ça va attirer. Et attends, des hommes qui ne font pas de mari. Sous tes mains, oui, alors que vous êtes droit de vie. Des hommes qui vont seulement coucher avec toi. Sous tes mains, d'or et collé. Et puis ça s'arrête là. Voilà, il faut le faire. Le jour tu vas tomber enceinte, tu vas lui dire je vais trouver mes reins. Si c'est pas WhatsApp que vous communiquez, ni WhatsApp d'aller il va te bloquer. Et bloqué, oui. Et dans son bon, oui. C'est fini. Et bon. Tu l'appelles, ça va faire et puis c'est fini. Et beaucoup sont victimes de ça. Comme sous souillé que j'ai mon côté. C'est pour ça que. Et dans autre raison. Mets tes fesses dehors. C'est comme tu as dit miahon. Et tu as dit alors miahon, venez acheter. Non, coco miahon. J'ai des fesses, venez acheter. Maintenant, quand ils sont venus acheter, puisque ce n'est pas une seule personne qui vient acheter, mais les sous 1000 francs, il achète. Quelqu'un paie 1000 francs, il achète. Le jour du commencé, si tu appelles pas, il ne sait pas moi ce qui a acheté. Donc, assez de panjo. Puisque tu as mis ça sur l'étalage. Oh, ce qui est cher. N'est qu'avec quoi. Ce qui a de valeur. N'est pourquoi le. Il est fait. Et c'est ceux qui connaissent la valeur des choses. Mais ils ont quoi qu'ils ont. C'est ceux-là qui vont s'approcher. Mais ils ne sait pas. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Évidemment. Le premier mariage qu'on va organiser à Épée ici. Alors, vous mettez tant. C'est un grand mariage. Et là, alléluia. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que. Comme il est bon, non. C'est pas important des collants. Et maïs, vous êtes au chocolat. Pas des hommes sérieux. Où est le mot? Soum.
Si tu as porté collant, tu vas seulement tomber sur des hommes qui vont coucher avec toi. Et puis c'est fini. Voilà. Il te drague. Et tu as dit. Et tu as accepté. Il a pris ton numéro. Et il est mort. La nuit. Ça va. Il a commencé par t'envoyer. Il a commencé par t'envoyer des cœurs. Il a des cœurs. Il a envoyé des cœurs. Quand tu vas les cœurs. Voyez mon cœur. Trois jours après. À saint il va t'inviter. Il a Yahweh. Dans une cafétéria. Il a cafétéria. Pour venir manger spaghetti. Avant de spaghetti. Quand tu viens. Viens voir. C'est fini. D'accord. Quand tu manges spaghetti. Il a tous spaghetti ton cou. Quand il te met, c'est taillant. Il y a zéro taillant qui te dit. Chambre de passage. Chambre de passage. On est maintenant, on vous remet. Donc tu t'es vendu. Eh bien, à Sadeu. À un plat de spaghetti. Au coin, il y a un plat de spaghetti. Macaroni, pas de beau. Donc tu as porté collant. À nos pâtes. Juste pour manger spaghetti 500. Voilà mon télouz. Macaroni, bon. Et on va découvrir ta nuit. Ouais, non, mon. Il y a mon maître. Mais avec Jésus, avant qu'on tient sous vous, tu auras plus de valeur que ça. Donc, quoi, il y a un amen. Avec Jésus, qu'on tient sous vous, tu n'as plus besoin de faire swag. Avant qu'on tient sous vous, on a maï swag, man bas. Tu n'as plus besoin même de tenter tes choses. Avant qu'on tient sous vous, on a dossier d'atelier. Donne-y à dossier d'atelier. Je te dis spirituellement. Où te donnes ton bouquin? C'est les chemins des démons qui sont liés. Tu ne savais pas. Maintenant, Jésus nous a dit. Jésus, pour la vie, pour t'enseigner ça. Pour que tu sois une personne vraiment respectable. Animotei, béton, sisi. Alléluia. Amen. Jésus veut te voir. Jésus, Kamoui. Personne respectable. Dit béton, et j'irai sisi. Il t'a créé respectable. Et Dawid, il dit si. Il t'a créé comme une personne de grande valeur. Et Dawid, ben toi, il doit quoi en son nom. Mais Satan, avant Satan, il t'a dévalorisé. Et de quoi il retourne. Satan t'a dévalorisé. Et de quoi il retourne. Jésus t'a créé. Jésus, Dawid. Avec tes pièces originaux. Pour nous, nous, pas. Maintenant, Satan te dit que ces biens sont, ne sont pas originaux. Satan, il est là que nous, Jésus t'a créé avec des cheveux originaux. Maintenant, Satan dit Satan, non, que tes cheveux ne sont pas originaux. Et il va te dire d'aller payer que c'est pour lui qui est original. Et tu vas aller payer pour lui. Et quand tu payes pour lui, tu vas cacher ce que Jésus t'a donné. Jésus t'a donné. Est-ce que Jésus est content? Mais Romain a monté sous le pont. Alléluia. Amen. Jésus t'a donné. Jésus n'a oui. Des ongles. Au fait. Original. Au fait. Papa. Normal. Au fait. Et direct. Maintenant, Satan va te dire non. Bon, Satan n'a pas le yo. Tes ongles ne sont pas jolis. Au fait, tu l'aimes, mon bon. D'aller placer. Allez, son sort. D'aller payer les ongles de ton pas. Allez, on fait ton pas dans l'air. Et tu vas payer. Waouh. Pour cacher. Waouh. C'est ce que Jésus t'a donné. À couler. Et tu vas même mettre des vernis. Avoir très vernis de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as ces choses-là sur toi, c'est que tu as perdu ta valeur. Et bien alors, tu es en train de te dévaloriser. À toi, quoi il va te régler. Et cette valeur, bon, quoi il va te que l'ennemi. Jésus est venu pour te restaurer. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour te restaurer. Et tu seras un homme de valeur. Bon, aïe, et toi, quoi une femme de valeur. Non, et quoi. Et quand tu marches, on saura que celui-là. Il est un enfant de lumière. Et il ouvre ton. Les enfants de lumière. Ouvre ton lèvre. Quand ils parlent. Ni est au rôle. Quand ils marchent. Ni est aux hommes. On sent que. Il est le mieux, non. Celui-là. Mais vraiment, c'est un enfant de lumière. Que nous, mais ouvre ton lèvre. Donc Jésus-Christ nous envoie ici à Épée. Et pour faire des enfants de lumière. Pour faire des disciples. Pour te voir
voyez plus des esclaves du péché. Mais que vous soyez des hommes. Vous soyez des gens qui le craignent. Des gens qui craignent. Vous allez voir. Quand le Seigneur va commencer par agir dans vous, beaucoup vont venir. Mais ce sont là. Quand le Seigneur va commencer par agir dans votre vie, vous allez dire, ma soeur, mais ce là, j'ai vu, tu as changé. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Tu vas le dire. En réalité, c'est Jésus qui m'a changé. Jésus Christ, ou Adiyom. Alléluia. Amen. Alors, c'est où? Vite. Tu vas t'amener. C'est ici. Vite. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus fait. Jésus vient m'assigner. Jésus veut faire beaucoup de choses. Jésus vient m'assigner nous sous. Jésus veut faire de grandes choses. Jésus vient m'assigner la rouler. Beaucoup, je vois le chantier même est grand. Non. Le chantier est vaste. Le champ est vaste. Et Jésus-Christ va agir. Jésus va agir. Alléluia. Amen. Qui est prêt que Jésus agisse dans sa vie? Alléluia. Amen. Est-ce que arrivé à un niveau, tu ne vas pas démissionner? C'est vrai, c'est des choses que tu n'as jamais entendues. Mais on va te montrer dans la Bible que voilà, c'est écrit comme ça. Voilà, c'est écrit comme ça. C'est écrit ici. Donc, si tu aimes vraiment Jésus et tu vois que c'est lui-même qui a dit ça dans son livre, tu dois vraiment accepter. Ceux qui n'ont pas de Bible, mais on va vous distribuer des Bibles. Chacun aura une Bible. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui n'ont pas? Qui sont ceux qui savent lire? Ceux qui savent lire, tous ceux qui savent lire. Mais nous, il y a en français. Tout français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, qui sont ceux qui ont déjà de Bible? Mais les codes. Qui sont ceux qui ont déjà de Bible? Mais les codes. Vous avez déjà de Bible? Il a les codes. Louis second, hein? Vous avez déjà ça. C'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est pas le petit là. Bible compris. D'accord? Gloire à Jésus. Donc, au moins une vingtaine. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, chacun aura sa Bible. Mais le plus beau, le quand on sera en train de vous enseigner, vous allez vérifier. Mais si ce qu'on vous dit là, c'est vrai. Si c'est pas vrai, il ne faut pas accepter. Ah, mais je le. Parce que c'est parce que vous n'avez pas appris à fouiller vous-même, à vérifier vous-même ce qui est écrit dans la parole. C'est parce que vous n'avez pas appris à vérifier. C'est pour ça que chaque religion vous impose sa doctrine. Une religion vous dit. Et alors, si c'est dans notre ami, pour adorer Jésus, Jésus, vous devez porter plastique à tout. Alors que dans la Bible, le Jésus, dont on te parle, lui, il interdit de porter quelque chose dans son nom. Vous-même, vous voyez, il a jamais de moi. Tu vois que si tu ne sais pas lire,
Tu vas aller dans tous les sens. Aïe. Le Jésus que tu es venu adorer. Et avancé. Lui, où sur la terre. Toi, écoute, dit, il a porté chaussures. Et deux fois. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste même a dit qu'il ne peut pas toucher la moitié de sa chaussure. Si Jésus n'a pas porté chaussure, est-ce que Jean-Baptiste va dire ça? Si Jésus marchait pied nu, est-ce que Jean-Baptiste va parler de la courroie de sa chaussure? Une religion, si ce n'est te dit que Jésus qui a marché pied nu ou à faveur son et que toi aussi Yesu, tu dois marcher pied nu à droite soit à faveur et tu es devenu du pied à voilà à faveur son temps et partout au fil à quoi bâti à faveur à faveur à faveur à faveur tout ça c'est bien dis à ton âme tout ça c'est bien. Alléluia. Amen. Et même dans la boue. Et dans ton pomme. Après la poubelle. Bâti. Attentionné. C'est que Jésus va. Jésus t'aime. Tout ça c'est fini. Et ne l'a pas faux. A haut vu manaro. L'ennemi ne va pas piper mot. Et manaro. Il ne peut pas piper mot. Et c'est comme ça. Il peut se fâcher. Et là où ton côté, alléluia. Amen. Jésus est venu vous arracher. Jésus a une démission. Voilà. La fille là, oui. Elle ne savait pas que son âme était cachée dans un arbre. Emmanuel a lit de mettre au riculato à tine mené. Elle ne savait pas. Emmanuel. Elle ne savait pas. Emmanuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de préparer au cours de tout à ouvrir ton âme. N'a rien de tout pour comprendre les choses sérieuses. Les choses que tu n'as jamais entendues dans ta vie. Vous réamassez ton présent, ton téléphone. Tu vas tout entendre. Ah, c'est dit. Si tu as la vérité, viens y en nouveau. Quand tu l'entends. Il y a de ces, il y a une joie qui t'arrive. Parce que ton âme, il marche. Donc, à l'autre, et notre nous. Ça marche. Et notre nous. Et c'est à l'aise. Et notre fou. C'est en paix. Et notre fou, femme. Mais si tu n'aimes pas la vérité. Alors, il y a même un nouveau. Et quelques temps, parce que vous venez. Fier au mal. Eh oh, ici, là, je ne vais pas rester ici. Continuez mal le fil. Il n'y a pas ma parole ici. Mais ma malade possible des malades. Ceux qui ne veulent pas sortir des chaînes. Nous, il y a le quand ils écoutent la vérité, ils leur sortent là où. Ils prennent cela comme un mensonge. Bon, ils n'ont rien dit. Ça les énerve. À mon mieux, ils malade possible des malades. Mais ceux qui veulent sortir des chaînes. Aussi. Quand ils écoutent la vérité, ça leur donne la joie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, qu'est-ce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est cette liberté que Jésus a amené à Christ. Où est Jésus vraiment avec Christ? Celui qui accepte cette liberté. Mais vous allez voir d'ici quelques mois. Vous allez témoigner. Alléluia. Amen. On va vous enseigner la parole. Et le Seigneur va vous pénétrer. Et vous-même, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et après ça, vous serez baptisés.
Ceux qui veulent être baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes Jésus, tu dois être enseigné. Et de l'en selon sa volonté. Donc, on joue ton dali. Et après ça, pour les godo, tu dois être délivré. Et après ça, tu dois maintenant être baptisé. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas être une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Et quand tu marches, les gens vont voir que effectivement, Jésus a fait un travail dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. La vidéo que nous suivons hier, on a coupé. Ça comporte beaucoup d'éléments dont vous avez besoin. Nous soutenons. Et le Seigneur veut que nous vous enseignions réellement. Bon, au cours de notre nous avec ces choses-là. Donnez les mots. Il y a beaucoup de choses dedans. Et là, nous sommes que vous avez besoin de comprendre. Bon, et je n'ai pas beaucoup d'aimé. Si vous ne comprenez pas, ni maman beaucoup d'aimé, vous allez penser que c'est une blague. Mais non, les non. Oui. Oh, c'est pas une blague. Et ma caille. Celui qui n'a pas Jésus, mais Emmanuel Jésus, qui ne marche pas selon sa voix. Mais qui marche selon sa propre voie. Tout ce que l'ennemi sème en lui. Pour détruire sa vie. Et il y a des hommes missionnaires sur la terre. Et il y a aussi des femmes missionnaires. Non, toi, tu ne connais pas la vérité. Il y a tu trouves n'importe quel homme. Tu as besoin de bébé. Alors, tu trouves n'importe quelle femme. Un de bébé. Qui t'aborde. Tu te laisses à lui. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en esprit. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son état spirituel. Tu ne sais pas son état spirituel, son identité. Tu ne sais même pas que c'est un danger public. Un danger public. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre les choses. Voilà, ça c'est un autre cas qui était dedans. Je vous dis,
Jésus, son nom, il m'a dit. Certains sont possédés. Mais dès la petite de l'homme, elles sont innocentes. Voyez-moi, ils ne savent rien. Mais il y a d'autres. Avant de voir les types qui sont même des missionnaires. Quand tu connais Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Il est qui? Vous entendez? Vous êtes ici. Voilà. Nous y est donc au cas, nous y est donc au cas, le dédo pigomène.
couche avec quelqu'un en esprit à son pas son beau, au même instant, à la mort, oh, tu tombes enceinte en esprit. Mais dès la tibo est en sentier dans l'eau, il y a certaines personnes qui sentent même physiquement qu'ils sont enceintes. Or, puis quoi, mais ouais. Or, c'est en esprit. Bon, il y a mon rôle, et quand tu tombes enceinte, La grossesse ne fait pas 9 mois spirituellement. Elle veut 2 semaines. Trop, c'est 2 semaines. Ah, tu vis. Et tu vas enfanter. Ah, tu vis au pipo. Tu vas enfanter un esprit dans la main. Mais elle est un poutron. Il y a des gens qui. Qui voient qu'ils sont en train d'allaiter des enfants. Mais très poutron, quand on vit. Qui a fait un tel rêve une fois ici. Elle a vu qu'elle est en train d'allaiter dans le sommeil, dans le rêve. Mais elle nous coûtera mon coton. On vient, hein? Cet enfant, nous, il est blanc, dit, d'accord, oui. Donc, moi, quand même, sur en esprit, c'est un après un mois, il est sous trop déjà. Après cela, les démons viennent les transporter pour les amener dans la mer. On vient de l'air. C'est l'enfant. Et nos filets, nos toits, nos poussins. Il y a des armoires dans lesquelles on les met dans la mer. Bon, l'air est non, c'est bien de l'air. Maintenant, comment est-ce qu'on envoie cet enfant sur la terre? Mais non, mais le vivant. Quand quelqu'un cherche ton enfant, bon, au lit, il est et qu'il passe le lit. Mais au lit, on a donné non. Qu'est-ce que le roi dit? Il a cérémonie. Le roi va lui dire qu'on va lui faire des cérémonies. Bon, il a un couteau sa mère. Et ils iront au bord de la mer. Bon, il a une bougie. Et il va acheter des bougies. Il va acheter des bananes. Acheter des ananas. Acheter toutes ces choses. Sans côté. Et à minuit, il y en a un couteau. Ils iront au bord de la mer. Maintenant. Jésus, lui va te dire qu'il appelle Jésus. Jésus l'a repoussé en mer. Son Jésus est dans la mer. Bon, fini, ouais. Et c'est là. Et dans le plein. Ils vont faire les choses. Bon. Et là, moi, les râles, ton tout. Et il va tisser alliance avec ton âme. Ouais, là, il ouvre. Cet enfant qui était dans la mer. Et là, il pose ta tombe. Il va prendre un maître ton sein. Moi, je crois que c'est de cette même manière. Je me dénonce. Au marabout qu'on est. Ceux qui prochent la pocoron. Bon, le vivant en cherchant d'enfants. Il y a quand ils vont là-bas. Le bloqué, c'est la même chose. Le bloqué, le rituel qu'on est. Mais quand le marabout fait ses rituels, et bon, c'est fini. Et là, il dit au vivant si vous savez. Il va transporter l'enfant de la mer. Bon, maintenant, mon point, nous comptons. Moi, je ne veux pas jamais voir tes enfants. Ouais. Puisque c'est spirituellement. Nous coupons ma gamme. Dès l'œil, lui ne peut voir. Bon, et il y a un lit au filon. Et lui va prendre l'enfant de la mer. Voilà, c'est là ton et va mettre ton sein. Bon, ils sont un homme mon cou. Et toi aussi, tu diras je suis vidéo à ton côté. Quel enfant vidé à ton côté. Et maïs béton. L'enfant qui est à ton sein n'est pas un homme à 100%. N'est pas un humain. Bon, nous, tu viens. Et quand tu sais cet enfant naît, alors tu es normal. Tu vas accoucher dans la mer. Tu ne vas même pas sentir le maître. Mais quand Lise sera venu sur la terre, il missionnait Satan. Lui devient un missionnaire de Satan. Où ça me dit, ouais. Car c'est un enfant de la mer. Et quand lui est venu sur la terre, toute action des propos. C'est la manière de lui se renvoyer. Pour travailler pour Satan qui se joue. On vient de là. Et ses enfants. Il y a des sous-titres. Quand ils ne commencent pas à grandir, ils vont nous perdre. Ils deviennent des insupportables. Ils vont nous rebeller. Ils deviennent des tacitons. Ils vont nous s'étonner au top de nos pots. Ils n'obéissent ni au père ni à la mer. Alléluia. Amen. On vient de quelqu'un. Ces enfants de même. Ils vont nous assez grands. Sont des chefs sorciers ou salons des ponts depuis la mer au cas et c'est cas on en a assez géré non mais traité de comment nous avons traité de tel gars au soi-disant et on a prié pour lui pendant 6 mois pour sa délivrance là quand tout le monde est en bord ou à quoi et à la fin et il nous a dit
Vous avez la puissance. Amon, laissez affaire. Car moi, vous ne pouvez me délivrer. Donc moi, je ne suis pas un humain. Quoi? Je suis un démon. Mais vous avez la puissance. Amon, vous ne pouvez pas délivrer un démon. Vous ne pouvez pas transformer un démon en humain. Puisque moi, tout ce qui est en moi est de Satan. C'est ce qu'il nous a dit. Nous ouais, c'est bon. Si toi qui entends ça, hein? Ah, et donc il dit tout au il a dit de laisser à faire. Oh, mais maintenant, j'ai souci. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, moi, ton père, c'est aussi moi dans les dix. Il va tomber sur ceux qui travaillent pour les ténèbres. Bien, c'est nous, mon compte, on t'a pour vous mener. Ils vont lui mettre de telles choses dans le sang. Mais dans les mots pornos, vos portables qui ont des pornos sur leur portable. Moi, non, c'est Vivina, il est là. Et ils se masturbent dans la chambre. Oui, moi, il est pendant qu'ils se masturbent, oui, ne masturbent pas sur le port. En ce moment, les esprits démoniaques commencent à collecter les sèmes. Bon, ils ont zéné dessous le sol. Ils amènent ça aussi dans la mer. Bon, ils l'ont conservé. Et ils conservent ça. Bon, c'est rouge au vide démoniaque. Et ils transforment ça en des enfants démons. Bon, mais au vide. Et ceux qui cherchent aussi d'enfants. On a eu tout et qui vont au bord de la mer. Oui, au noir tombé. Et qui vont chez les féticheurs. À son repas, son repos. Au même instant, you know, c'est là, on leur met cela dans le ventre. Mais on leur m'envoie à Pilipini, à Colette. Ceux qui vont encore chez les faux hommes de Dieu, les faux serviteurs de Dieu. Vous allez voir qu'il y a cette personne. Il va dire viens, si c'est l'enfant qui se fait. Mais au affiche. Il y a des gens, il y en a même qui font des affiches. Bon, et il garde des bébés de la mer. Bon, il et il garde des jumeaux de la mer. Mais mon affiche, mon compte au compte. Il a vu telle affiche une fois dans la ville. Mais il vient à l'homme. Mais il bébé à l'homme. Mais non, il voit une vie. Il venait prendre des enfants. Vous qui n'avez pas trouvé d'enfants. Ce n'est pas les enfants de Jésus. Au vieux de l'homme, il dit que les enfants ne sont pas des enfants que Jésus donne. M'en soit pas, quoi il est. C'est quoi, homme de Dieu? Il est moi, il est moi, il est moi. Et ils ont fait alliance avec la sainte de la mer. Il est plein alors, il est. Et quand eux, ils prennent, ils étendent la main comme ça spirituellement. Mami, on sait que l'autre a coupé. La sirène, ils ont leur main, l'enfant là. Il y a la main. Ils vont mettre ça dans ton ventre. Voilà, tu as une piche. Et tu vas tomber beau. Et bon. Et c'est fini. Un mois après. Sur le propos de l'autre. Le diable est très méchant, Satan, et il a où son nom. C'est pour ça que vous devez être vigilant. Et les gens, mais droit non, à qui dit, à mon mère non, tu vois celle-là. Et non, viens pour l'air, lui m'a dit, lui m'a dit. Elle a dit, tant que l'on ne récupère pas ses enfants, elle est là. Puis quand elle dit où est-elle, si un esprit te porte, elle est au courant, et qu'il couche avec toi, que est-il dit, à l'eau. Cela veut dire qu'il a des enfants avec toi sportifs. Si on ne prie pas et qu'on ne tue pas ses enfants, tu ne peux concevoir, tu ne peux avoir des enfants sur la terre. Jacques-Claire, non,
Et dit, prends-en.
Tant qu'on ne coupe pas les cheveux, il est ma sang d'aller. L'esprit ne pourra pas partir. Dit alors, il m'en attend. Parce que derrière ses cheveux, c'est un serpent. Autant derrière les mèches, mèches d'agolas et godo, les périclés, les faux sons, open agolas, les vernis, derrière toutes ces choses, le dit la cause godo. Et non, pour bonheur, c'est un démon. Mais quand on commence à prier pour Dieu, c'est des rôles où est-on? Est-ce qu'on m'a l'a dit? Ah, on va y aller.
Nous avons si une femme porte pantalon, nous avons donné d'autres couteaux. Si elle veut uriner, ni ayant d'adorant, c'est tout un problème. Tout cela d'abord, ouais. Elle a tout subitement, ouais. Elle va pénaler partout d'abord. C'est pas fait pour la femme. Et maï, longtemps. Les rouges aux lèvres. Et alors, nous sommes là en poêle. Nous sommes là en poêle. C'est comme du sang. Et tu as dit, oh. Mais donc, si tu mets le rouge à lèvres, il y a 20 ans en dos devant Dieu, Dieu te voit comme quelqu'un qui a bu du sang. Tu vois, il y a un homme qui met une rouge. Parce que tes lèvres sont rouges. Oh, en peuple et l'univers. Et alors, mais tu as tassé une rouge. C'est celui qui a pris à tasse ça, c'est sa bouche qui compte lui. Quand on dit nous allons mia, et c'est maintenant c'est celui qui boit du sang qui a les lèvres rouges. Donc si tu mets tes rouges aux lèvres, ni à prendre là en dos, il n'y a pas de différence entre sorcier et roi. Donc vous connaissez ma petite il y a quoi, c'est ton côté de... Si tu mets des vernis, ni à nos sabres vernis et tes ongles sont rouges, quand on fait que les vernis, quand le sorcier met dans le sang, ni à cet homme qui a l'eau roumain. Ces mains sont comment? Non, à l'intérieur, on dit, hein? Rouge. Et on dit, ben. Maintenant, yeah. Toi-même, tu as mis le rouge à l'air. Yeah, sous. Et béni. À sa béni. Et donc, tu fais comme ça. Bon, en bas, les mains sont rouges. À l'intérieur, on dit, ben. Le sorcier aussi fait comme ça. À cet homme, on dit, ben. Ces mains sont rouges. À l'intérieur, on dit, ben. Pour les deux, il y a un. Est-ce qu'il y a différence? Mais bon, bon, il n'y a pas de différence. Bon, 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 donc, tout ça. Le nez le faut, il y a un peu quoi gros. Tu vas taper naturel. En somme, il est sur la loi. Avant de faire ta beauté, vraie va venir. Bon, mon père, ton papa, ton Jésus va te bénir. Bon, Jésus va te donner, Jésus va te transformer. Jésus va te donner. Alléluia. Amen. Donc, les jeunes soeurs qui ont porté des collants, ils ont vu que l'on est d'eau, papa, tu vas venir. Au sort, on veut vous voir propre. Mais il y a mon mémé dans son cantique. Alléluia. Amen. Et on va adorer le Seigneur. Parce que c'est pour nos corps. Tu vas voir. Amen. On adore le Seigneur. Donc, c'est pour nos corps. Qui va venir demain? Maintenant, à son. Qui va venir demain? On va adorer le Seigneur. Maintenant, à son. Maintenant, c'est pour nos corps. Qui va venir demain? Maintenant, à son. Ma fille, tu ne viens pas demain? Non, oui, à ma garçon. Tu n'es pas content? Comment vous voyez? Tu ne viens pas demain? À ma garçon. Hein? Eh, ya. Tu ne viens pas, pourquoi? Ah, j'ai été au tout. Hein? Allez, sanitaire. Hein? Hein? Et bien. Est-ce que je vais pas quand tout le monde s'est assis? Est-ce qu'ils ont fait la délivrance une fois? Hein? Hein? Gloire, nous pas encore fait. Les gros explications de ta vie. Moi, à le courant de Brodina. Et tu es là pour avoir du sens. Bonsoir, maman. Là aussi, tu vois pas. On est le fleur. Qui a le couleur? Hein? Bonsoir, maman. On est le fleur. Toi, tu vois pas quel le fleur. Mais il y a un peu de temps. Jésus, vous l'avez dit. Ce que Jésus a fait pour toi. Mais Ebron est à un moment où je suis le fleur. Est-ce que tu as vu ça comme ça une fois? Il y a un peu de temps. Disons la vérité. Hein? À mon avis, que n'écoute-t-on à nos courants, les pauvres. Tu as vu que moi, je ne savais pas. Mais puis, pour moi, autant de la mission. Mais il y a 100 000 boucles par la tyrannie. Ce qui veut dire que il y a des là où tu es. Et maintenant, il est Jésus Banamoué. Parce que non, il est Jésus Banamoué. Est-ce que c'est là où Jésus est? Alors, comme on capte tout le haut, tu aurais trouvé ta délivrance depuis. Alors, bien et tout, tu es là-bas. Allez donc pour le pouvoir, atteindre le sommet. Tu imagines ça? Pour louer d'un coup, et si tu meurs, actuellement, donc c'est ton amour, tu vas pas entrer. Donc, Bigolet le présente. Parce que les démons sont. Bon, Bigolet le yes, c'est le mot, c'est ta sémé. Et cet esprit dit qu'ils t'ont pris, ils t'ont mis dans la sorcellerie, inconsciemment. Donc, Jésus m'a dit que l'on est. Et si Jésus n'est pas descendu à être ici, après l'on a mis des poudres, quel que soit le nom de la mort, tu vas faire de la couronne. Parce que, à l'identement, c'est beaucoup. Oui, ce ton âme n'a jamais trouvé la vie. À mon dernier délou, tu vois les cheveux qui avaient sur la tête. Il y a dans Rome et des moi. Est-ce qu'ils t'ont jamais parlé de ça? Donc, les mouvements, quand tu vois les gens, réfléchis bien, je te dis la vérité. Donc, nous, pour l'autre, jusqu'à
Abibaye no home descend le morceau fiche filia haï là où tu dois aller go go menace le bon moi tu parles pas de nom catoté et tu n'as pas trouvé la vie c'est la vie arrive il en faut trop disons la vérité je vous dis ça doit compter au coton. Nos villes, une seule est venue chez nous à côté. Elle aussi, elle a tous les problèmes. Où est-ce que elle a tous les problèmes? Elle a tous les problèmes. Elle a tous les problèmes. Elle aussi, où est-ce elle chante la cora. Elle a dit notre cora. Mais la mèche, elle a mis sur sa tête. Mèche, c'est une mèche au rond. Mèche verte. Pangé public. Déteignant bien. Et quand on a commencé à parler même avec eux, en même temps, l'esprit qui allait, quand le courant a commencé par être tourmenté. Et on a coupé tous les cheveux. On a levé tous ces vernis. En même temps, là, il s'est tenu. Donc, le problème est un mot que tu l'église où elle allait, a boudé les rires. Tu as tous les problèmes. On ne t'a pas aidé à régler les problèmes. Et on te met ta chorale. Est-ce que tu chantes ta chorale? C'est pas juste pour être délivré. Non. Mais on peut aller dans mon cadeau. Non. Et c'est comme ça que tu ne fais pas dans le Dieu. Bon, je vais te la vérité. Nous, on ne va rien faire pour forcer les gens. Mais les gens ne peuvent pas vraiment on ne travaille pas pour que les gens viennent beaucoup pour être remplis inutilement. Non. Même si c'est une seule personne, même si c'est deux personnes, si c'est cinq personnes, il y a celle Jésus à écrire. On va prier pour lui. On va adorer le Seigneur avec lui. Et Jésus va le libérer. Mais je vais te dire, la délivrance est important. Quand tout le est au matin, est obligatoire. Le travail va commencer hier. À ce que les ce n'est que préliminaire. Et parce que vu que les démons sortent réellement, la première chose, dit tout ce que la Bible était dit, alors tu dois tout enlever. Si tu fais le cercle, tu vas dans l'église, que tu vas. Il y a trop. Et quand on va te voir, ils vont te dire, oh, tu as changé. Et tu vas dire, bon, quelle mèche tu veux aller? Où sont tes mèches? Il va te dire, oh, Dieu ne regarde pas le corps. Le point va s'abonner. Bon, elle a fait photo de ta mère. Et ils vont te donner des paroles, te donner des souffrances. Banane, elle va y aller au mèche. Tu vas encore où est tes mèches? Tu vas aller ton soudain. Et les démons qui étaient partis. Ils vont encore tout faire. Bon, nous, il y a où à dire. Et quand ils vont retenir, il y a un plat, il y a des lettres au moins 7 fois. Ils vont ramener encore 7 autres plus gros que. C'est la vérité, je dis non. Ma taille, on va aller dans ton. Faut pas t'amuser avec ton âme. Faut pas attacher ton âme à une autre. Église. M'envoie ici, allez dans ton faut pas attacher ton âme à une religion. Non, si, allez dans ton dos. Il faut attacher ton âme à la vérité. Allez dans ton dos. Nous voulons rester avec filet. Les choses que tu as fait ici, tu n'as jamais voulu ça. Mais à ma mousse, il tu n'as rien à dire. Il reste encore tellement de choses. Tu comprends, nous, bien, tu vas me recouvrir, mais complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On arrête ou bien on continue? On continue ou bien on arrête? Qui va venir adorer Jésus avec nous demain? Qui va venir adorer Jésus avec nous demain? Ma fille, le Seigneur veut que toi tu viennes ici. Parce que ton travail n'est pas fini. Tu es un cas spécial que Jésus veut utiliser pour impacter mes mecs. Aïe, nous pas t'attirer bon pour le dire vraiment. Jésus va te libérer. Et va te remplir puissamment. Je te dis la vérité. Nous nous donnons. Et Marie a pointé et donc bon. Il y a notre Jaïr Roubaix. Bon, il y a notre Jaïr Roubaix. Ce n'est pas les églises où on va et on tombe n'importe comment. Non, c'est pas ça. Alors, mon cas, tout le monde, tu vas avoir ta délivrance digitale. Au Dieu, et Jésus va te libérer. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que demain, nous sommes encore là. Nous allons tous
le travail même n'a pas encore commencé. À ce moment, ce n'est que le début. Donc, il faut informer tous vos connaissances. Que Jésus a rendez-vous avec eux. Après cela, nous allons organiser un programme de jeûne et prière. Et toi-même, tu vas voir la puissance de Dieu en action. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. En dit. Nous allons prier. Mina Rodé. Sors à Tia. En vous tapez. Demain, quand tu viens, tu te vois là. Tu vois les seins. Viens. Viens. Voilà. Tu vois là. Voilà, elle est jeune fille comme toi. Donc, tu vois, quand on veut prier, on veut parler avec Dieu. Et quand on va aller sur mon cou, sa tête. Et nos blagues avec toi. D'accord? Tu vois comment elle est appelée. Abonnez son nom. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Dès ma caillon moi. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Et maillon moi. Si elle est belle, il faut acclamer pour Jésus. Et comment vous prenez Jésus? Voilà. Donc, tu t'appelles comme ça. En somme, t'as dit. Même si tu n'as pas encore les moyens et 40 ans d'eau de payer de cours longtemps comme ça, robe des ligas dans ce monde, il faut quand même que tu t'habilles pour couvrir tes seins. Ah, en tes sols, mon soir, on connaît. Et il ne faut pas porter collant. Bon, mando collant, bro. Tout ça là, c'est pas bon. Venez les cours, et maintenant. Hein? Faut pas mettre des chaînes, faut pas mettre tout ça là. Les mando, tu fais naturellement. Et on va prier le Seigneur. On tu mets ton foulard sur la tête. Pour montrer que vraiment tu es un enfant de Dieu. Donc tu vois le foulard que ma fille a fait. Quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas porter un habit pour montrer ton nombril. Il ne faut pas que tes nombrils sortent. Alléluia. Il ne faut pas que ton ici sort. Voilà. Il ne faut pas porter cola. Ado cola m'lo. Les veines que tu as mis, faut gratter tout ça. Il y a salé sous tout. Il ne faut pas porter jean, pétrole, ado jean, vous vous avez son blot. T'habiller simplement comme un enfant de son vivre. Tu vois, un enfant de Dieu, c'est pour ça. Son vivre, autrement. Alléluia. Amen. Le Seigneur va aider. Ceux qui n'ont pas le moyen, le Seigneur va les aider. Et ils vont payer, ils vont coudre de belles habits. Le Seigneur va vous aider. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer par remercier le Seigneur. En ton père amant. En un acclou, tu vas dire Seigneur, je te bénis. Non, nos pères. Puisque je suis du bois de ton Seigneur. Et j'écoute les paroles de la vie. Oh, nebo, ton père, tu pries et remercie le Seigneur. Non, ton père amant. Dis Seigneur, je te bénis. Non, nos pères. Puisque je suis du bois de ton Seigneur. Et je suis en train d'écouter la parole de la vie. La parole qu'on va écouter, ton tchéna, mon père. Pour que mon âme ait la vie, loi de paix. Je suis vivant, bon aussi, c'est vrai. Et je les écoute. Appelons ton père. Seigneur, je te bénis. Jésus, ton père. Seigneur, je te bénis. Appelons ton père. Seigneur, je te bénis. Jésus, ton père. Jésus, merci. Pour prier. Jésus, ton père. Jésus, merci. Appelons ton père. Jésus, merci. Donc, mon père. Puisque je suis vivant, allez dans tes oreilles. Et mon âme est en train d'écouter la parole de Dieu. Jésus, ton père. Jésus, merci. Jésus, ton père. Jésus, merci. Appelons Jésus. Seigneur Jésus, allez dans tes oreilles. Mon âme a soif de toi. Allez dans tes oreilles. Mon âme a besoin de toi. Appelons. Allez dans tes oreilles. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Jésus, paix quand tu es mon. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit. Jésus, paix quand tu es Seigneur, donne-moi boire ton sang. Jésus, fais-moi boire ton sang. Seigneur, fais-moi boire ton sang. Seigneur, fais-moi boire ton sang. Je bois ton sang. Jésus, quand tu as tout. Seigneur, je bois ton sang. Quand tu as tout. Je bois ton sang. Quand tu as tout. Je bois ton sang. Jésus, quand tu as tout. Jésus, je bois ton sang. Jésus Christ, quand tu as tout. Jésus Christ, je bois ton sang. Jésus, quand tu as tout. Jésus, je bois ton sang. Quand tu as tout. Jésus, je bois ton sang. Jésus, paix quand tu as tout. Jésus, fais-moi boire ton sang. Jésus, paix quand tu as tout. Seigneur Jésus, fais-moi boire ton sang. Encore Jésus, paix quand tu as tout. Seigneur Jésus, fais-moi boire ton sang. Paix quand tu as tout. Fais-moi boire ton sang. Jésus, paix quand tu as tout. Jésus, fais-moi boire ton sang. Paix quand tu as tout. Seigneur, fais-moi boire ton sang. Paix quand tu as tout. Seigneur, fais-moi boire ton sang. Paix, fais-moi boire ton sang. Jésus,
quand on tourne. Jésus, fais-moi boire ton sang. Seigneur, fais-moi boire ton sang. Jésus, Jésus, fais-moi boire ton sang. Tout ce qui est souillé en moi, les mauvais semences dans ma vie, Seigneur Jésus, je bois ton sang. Quand tu as je bois ton sang. Quand tu as tourné, ça. Ton sang il paraît. Quand tu as tourné, ça. Que ton sang paraît. Faudrait. Pi. Pour les Seigneur Jésus, quand tu as pris ton sang, mis ça présenté. Parlez ma vie, quand tu as pris ton sang, mis l'éonomie. Me lave, au courant, quand tu as pris Seigneur, que ton sang me lave. Quand tu as pris l'éonomie, ton sang me lave. Jésus, quand tu as pris l'éonomie. Seigneur, ton sang me lave. Pour les Jésus, Seigneur, quand tu as pris ton sang, mis l'éonomie. Me lave, quand tu as pris ton sang, mis l'éonomie. Me lave, quand tu as pris ton sang, mis l'éonomie. Me lave, Jésus, Seigneur. Apron. Seigneur, quand tu as pris ton sang, mille l'ennemi. Mais là, quand tu as pris ton sang, mille l'ennemi. Mais là, Jésus, quand tu as pris ton sang, mille l'ennemi. Mais là, Jésus, quand tu as pris ton sang, mille l'ennemi. Mais là, pour les, prie. Pour les, prie. Bien quand tu as Jésus, demande le sang de Jésus. Bien quand tu as Jésus, demande le sang de Jésus. Quand tu as pris, Seigneur, ton sang, mille bien présenté. Entre dans ma vie, quand tu as pris, mille bien présenté. Seigneur, fais ton sang entre dans ma vie. Quand tu as pris. Seigneur, que ton sang entre dans ma vie. Et la ma vie. Au courant, quand j'ai pris. Seigneur, ton sang entre en moi. Jésus, quand j'ai pris. Seigneur, ton sang entre en moi. Quand j'ai pris. Seigneur, ton sang. Quand j'ai pris. Ton sang. Nous prions présenter. Entre dans ma vie. Quand j'ai pris. Seigneur, je bois ton sang. Vous pitié. Débrouillez nous présenter. Toutes les souillures qui sont dans ma vie. Au courant, quand j'ai pris. Seigneur, ton sang les dévore. Quand j'ai pris. Que ton sang n'est pas sorti. Quand j'ai pris. Que ton sang n'est pas sorti. Toutes les souillures qui sont dans ma vie, toutes les souillures, les semences de sorcellerie qui sont dans ma vie, Seigneur Jésus, que ton sang les cellules, que ton sang les cellules, que ton sang les fasses, Seigneur, ton sang coule, quand j'ai pris, que ton sang coule. Que ton sang coule à moi. 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 Seigneur, je bois ton sang. Jésus, Jésus, je bois ton sang. Jésus, Jésus, je bois ton sang. Seigneur, je bois ton sang. Seigneur, Jésus, je bois ton sang. 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 Bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus, Bois le sang de Jésus. Nous, quand tu as Jésus, bois le sang de Jésus. Alors, quand tu as Jésus, ton sang de Jésus, je te bois. Quand tu as Jésus, ton oui, je bois le sang de Jésus. Quand tu as Jésus, ton oui, je bois le sang de Jésus. Quand tu as Jésus, ton oui, je bois le sang de Jésus. Nous et ton présenté, mais je te bois de ma vie. Au courant, quand tu as ton oui, Seigneur, je bois ton sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez, le diable est très sublime. Satan, il n'a pas même de disponible. Tous ceux qui sont exposés, quand on vient, on a le plus facile. Leur délivrance sera facile. Et maintenant, de haut support. On ne va pas beaucoup
parler. Avant même pas comprendre. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, délivrant, il est ton athée. Le délivrant va t'aller. Le diable est tellement subtil. Ça est tellement subtil. Vous voyez, regardez. Tonton, viens. Tonton, voilà. Vous voyez, yeah. Maintenant c'est anglais de vie. Qui comprend bien l'anglais ici? Maintenant c'est anglais de vie. Tu comprends, hein? Qu'est-ce qu'on a écrit sur la vie? Et t'as étendu à où est ton mot? Et quand c'est où est ton mot? Vous entendez, Missia? Vous voyez ce qu'on a dit là? Toi-même, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. À où l'on, la Bible, ils ont écrit dessus paradis lost. C'est où est ton mot? C'est que lui, c'est que. Il a perdu le paradis. Toi ou non, quand on est conscient, vous voyez comment le diable, il est satané. Bon, nous il a tiré à toi ou quand on va quand tu portes un tel habit que tu m'as dit, bon, moi de moi, un esprit c'est quand d'abord c'est un habit de malédiction. Alors, à où nous d'autres on est wakoto? Normalement, t'es de là où là? Est-ce que tu es quand? Paradis gagné normalement. Où est de là quand? Bon, dis. Et le roi ou un homme paradis perdu. C'est vrai que tu me c'est vrai que tu me boudoues. C'est vrai que tu me boudoues de Dieu, c'est toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est venu avec père. Pourquoi toi? Paradis. Tu ailles au paradis. C'est ta vie là, tu es avec moi. Très bien. Acclame Jésus-Christ. Ma fille. Olivier. L'église où tu parles, est-ce qu'on t'a jamais dit voilà. Ça? Ce que tu as porté là, ce que moi je vois là, c'est le serpent même. Direct. Tu vois? C'est des choses simples. Que le diable utilise. Bon, Satan est innocent. Non, elle ne peut pas lever maintenant. Elle ne peut pas aller à la maison nue. Mais je sais que ces petites choses. Le Seigneur va la convaincre, elle va tout détruire. Ah bon, il y a nos clés, elle est au boulot, elle est dans la Bible. L'île d'eau, il n'y a qu'un lui. Vous avez besoin qu'on vous enseigne. Maintenant, on va vous enseigner et tu vas comprendre. Alors, à tout monde, la Bible dit que tu vas connaître pour tout le monde. Et dans tout canal, et la vérité va te délivrer. A où d'être, à où oui. La Bible qu'elle a portée est un habit noir. Qui représente d'abord les ténèbres. Des codos, si vous voulez. Lorsque tu es quand tu vas voir tes amis et ils ont mis ça dessus. Si tu vois ça, sache que cette personne te le dit. Moi j'aime Satan. Tu ne savais pas. Mais c'est un artiste que toi tu aimes. Mais il y a un Didier Arafat. Ça s'appelle Didier Arafat. Ça est il est comme ça. Tu l'aimes. Tu as porté. Et quand tu as porté comme ça, l'esprit qui est le plus bien, il y a des vidéos tellement. Mais chassé, nous avons chassé les démons de Didier Arafat. Donc, si toi tu portes ces choses, et ces choses sont dans ta vie, ta vie sera en train de aller de gauche à droite. À ma comprendre, mais tu ne comprends pas. Mais Jésus est descendu avec moi. Mon âme, on te présente pour dire pour éclairer ta vie. Si tu entends un comme ça, ma signe à problème. Non, tu ne sais pas ton cœur. Ah, moi, l'aïe nous connaît. Ah, je viens de gagner un peu. Mais si toi, tu vas à la maison, toi, où tu l'aimes, tu vas voir tes amis. Ah, où tu es baissé, bizarre. Les amis, tu es baissé, bizarre. Ben, ouais. Amen. On est là tous aujourd'hui. On va brûler ici. Dis-toi, dis-toi, le travail est grand. C'est pourquoi Satan s'est levé. Mais Jésus causait la photo. Mais Jésus l'a gagné.
Quand les blancs, 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 quand les blancs
A entendu parler de Jésus. Et maintenant, il est caca, mon mec.
C'est un homme courageux. Il a monté sur un arbre. Non, mon taouet, ok. Je vais voir ce monsieur-là. Allez, ton sachet, ton côté sous ma main. Là, mon sachet cherchait Jésus et il a vu Jésus. Bon, il sait que t'as mon avion. Et il a pris la décision de changer. Alléluia. Amen. Ma fille, Obidi, qu'est-ce qui t'a touché? Toi, tu sais que à partir de maintenant, et t'es dans l'oreille, tu vas changer. À partir de maintenant, personne n'est rien dans le jour. Nico. Paresseux. Adidoïwa. Paresseux. Paresse, la paresse. Après ça. Le mensonge. Gloire à Jésus. Acclamez Jésus pour ça. Bon, Père Jésus. Quoi encore? Je vais pas d'agir. D'agir petit. Tu as décidé d'abandonner tout ça. Donc, demain, tu ne viendras plus avec un collant. Acclamez Jésus pour ça. Mais mon Père Jésus, ça va être. Alléluia. Même les cheveux têtés, on va laisser tout ça. Pour être naturel. Acclamez Jésus pour ça. Matanti, qu'est-ce que toi tu viens abandonner? Et t'as dit à Gandjoubou? Le mensonge. Allons, on va laisser toutes ces choses. D'accord. Nous, on est à quoi le père m'a dit à souhaiter. Si es-tu prêt à te marier, à le prêt. Tu es prêt à le prêt. Si tu n'es pas prêt, tu ne voudras pas de copain. Alléluia. Amen. Nous, on est prêt. Quand tu seras prêt à te marier, nous allons prier pour toi. Et Jésus va te donner un très bon mari. À comprendre. Est-ce que tu comprends? Donc, copain, roulé. Donc, les affaires de copain. Là, le cœur, c'est de Ouassa. Et on se rend compte d'avoir les cœurs de Ouassa. Ça, on va laisser. D'accord. Il y a combien de jours? D'accord. Ici. Et que à Ouassa. C'est aujourd'hui que tu n'es pas venu hier. D'accord. Donc, et les poissons, on va faire. Il y a des problèmes à faire. Ma fille, qu'est-ce que toi, tu sais que tu vas prendre? Et il y a un de nous. Le mensonge. Amen. Le ministre, acclamez Jésus pour sa vie. Nous prenons Jésus notre bien-être. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui vient encore abandonner quelque chose? Qui vient abandonner quelque chose? Mais Jésus. Ma fille, qu'est-ce que toi tu viens abandonner? Et il y a un pour Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Et après ça. Ma fille, qu'est-ce que toi tu viens abandonner? Quoi tu as déjà te dois? Qu'est-ce que tu viens abandonner? Dis-moi, elle doit parler. Elle vient parler quelque chose. Elle a honte, mais elle va parler. Oui, qu'est-ce que tu viens abandonner? Qu'est-ce que tu viens abandonner pour Jésus? À cause de Jésus là, comme c'est Jésus qui a dit ça, moi je vais abandonner ça. Parce que moi, je ne vais pas adorer Satan. Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Maman, c'est ta fille, non? Maman, on vit mito. C'est ta fille. Vrai, vrai. Tu viens d'entendre. Le paresseux. La paresse, Après ça. Il t'a balayé, Tchono. Bagaille. Bagaille. Tu ne veux pas laisser les collants. Tu vas laisser les collants. Acclamez Jésus pour ça. Nous prenons Jésus dans les ailes. Qui veut laisser encore quelque chose? C'est important. Et ton patate. Tanti. Tanti. Tata. Tata. Sœur. Sœur. Derrière, attends-tu. Qu'est-ce que toi tu viens abandonner? Il y a des choses quand tu es venu ce soir, tu as écouté. Et toi, tu disais que ces choses, je ne les connaissais pas. Dis-moi. Mèche. Est-ce qu'il y a un zébétabla que tu dois? Est-ce que tu as pris la décision d'abandonner? Je ne suis pas habitué à faire cela. Ado. Tabla, tu dis. Où est-ce que tu as pris?
Si la trompette sonne cette nuit, tu vas nous dire que si tu mets sur la tête, ils n'ont pas dans la maison. Donc, est-ce que tu ne vas pas abandonner? C'est important. Maintenant, tu vas aller où? Tiens sur le film. Jésus est ici. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore. Lève-toi. Mais avant, on est quitté. Tu vas prier. Tu vas prier le Seigneur. Alors, vous non. Nous avons besoin de mes moments. Ce qui est dans ma vie et qui ne t'inquiète pas. Toi aussi, touche mon cœur. Sors ces choses de ma vie. Prie au nom de Jésus. Jésus, vous devez nous présenter. Jésus, n'importe quel soit ce qui est dans ma vie. Et qui pue en toi. À pour Jésus. Seigneur Jésus, ôte-les de ma vie. Ce qui est dans mon cœur et qui pue devant toi, Seigneur Jésus, ôte cela de mon cœur. Le mauvais cœur, les mauvaises choses qu'il y a dans mon cœur, qui sont dans ma vie et que tu n'agrées pas, Seigneur Jésus, Seigneur, ôte cela de ma vie. Depuis 5 personnes, tu ôtes tout de ma vie. Depuis 5 personnes, tu ôtes tout de ma vie. Oh, merci. La colère, Atakawa, la méchanceté, ta sienne, la rébellion, Atipa, le mensonge, Atcho, le vol, Aka, la doute, la prostitution, toutes ces mauvaises choses, qui sont dans ma vie. Bon, personne qui m'aille en haut. Et ma vie ne te plaît pas. Pour notre Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, ôte-la de ma vie. A pour notre Jésus. Seigneur, ôte-la de ma vie. Pour notre Jésus. Seigneur, ôte-la de ma vie. Pour les. Peu. Les mauvaises semences, les mauvaises semences, que Satan a semé de ma vie. Pour notre Jésus. Seigneur Jésus. Visite-moi la débissi présente et ôte tout de ma vie. Jésus, débissi présente et ôte tout de ma vie. Pour nous, débissi présente et ôte tout de ma vie. Jésus, débissi présente et Jésus, ôte tout de ma vie. Le bateau de la prostitution. A ou quoi,
le manteau de la sorcellerie. Then top. Jésus décide côté. Jésus décide côté. Jésus décide côté. Seigneur, ok. Seigneur, vous êtes notre pita yoyo là. Le vrai créatif. Jésus. Seigneur. Dieu a déjà. Change mon cœur. Calom magnon. Ne perds pas bon. Aïe calom magnon, ils ont payé des sous magnon. C'est parce que ce cœur n'est pas bon que je ne suis pas bon. Jésus. Seigneur, a coûté que le cœur sale, le mauvais cœur. Ce cœur qui pue. Jésus désigne. Seigneur, ôte le démon. Au cœur de Dieu. Seigneur, change. Dieu a été. Change mon cœur. Aïcha, ouais, ce cœur change. Ce cœur qui pue. Ce cœur noir. Aïcha, moi, père ton nom. Ce cœur de haine. Aïcha, promesse ton nom. Ce cœur de colère. Aïcha, bienvenue à ton nom. Jésus dessine. Seigneur, ôte le. Dessine. Seigneur, ôte le. Dessine. Ôte le. Dessine. Ôte le. Dessine. Ôte le. Seigneur, viens être dans mon cœur. Aïcha, un cœur blanc, un cœur pur. C'est Aïcha, ouais, ouais, ton Seigneur, donne-moi un cœur pur. Aïcha, déna, c'est ton nom. Le cœur qui va t'obéir. Jésus, c'est ton nom. Seigneur, élève en moi. Jésus, c'est ton nom. Aujourd'hui,
Jésus a écrit ton nom dans le livre. Jésus, quand il va te il a effacé ton nom du livre de l'enfer. Ton nom a été effacé du livre des sorciers. Amen. Parce que tout est fait. Tu as pris la décision de et tu es venu pour rencontrer Jésus. Amen. Tu vas lever tes mains au ciel. N'oublie pas que demain, demain 9h, déjà à 8h30, tu es déjà ici. Parce que Jésus sera là. Les hommes de Dieu vont être là et ils vont noter le nom de tous ceux qui seront là. Si on disait que Papa Noël venait distribuer les cadeaux, je sais que beaucoup vont courir. Mais celui qui vient demain est plus grand que Papa Noël. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. On va prier pour vous. Seigneur Jésus, Okuno Jesu, toi le maître de toutes choses, tu es digne de gloire. Tu es Dieu éternellement. Et ces âmes, tu les as sauvées par ton amour. Ces âmes, tu as eu compassion de leur âme. Ces âmes, tu as permis qu'ils connaissent la vérité aujourd'hui. Plusieurs étaient ignorants. Mais Seigneur, tu les as éclairés. C'est pourquoi je déclare maintenant que le voile tombe. Que le voile qui est maintien encore de l'ignorance. Que ce voile soit ôté. Que ce voile soit déchiré. Je prie maintenant que tous ceux-là qui vont quitter ici et qui seront encore troublés et qui l'ennemi viendra à qui l'ennemi va dire non, ce qu'on t'a enseigné, c'est faux. Seigneur, je prie, donne-le de résister au mensonge. Donne-le une foi ferme, une foi solide, une foi bâtie en Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie maintenant que tout âme forgée contre la vie soit nulle et sans effet. Sans nul et sans effet. Je prie maintenant tous ceux dont les âmes ont été liées dans la mer. Je donne que les âmes soient libres. Je donne qu'ils soient libres. Je donne la liberté. Au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, au courant, fais que les échantillons de ce que tu sauves à épais. C'est pourquoi je prie maintenant qu'aucun esprit n'influence la conversion. Qu'aucune personne n'influence négativement la foi. Je prie maintenant que les fidèles de famille, les fétiches de famille, n'aient aucun pouvoir sur leur vie. À partir de maintenant, au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu leur donnes l'autorité, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes le pouvoir. Je dis dans ta parole, l'ange de l'éternel, comme autour de ceux qui le créent, elle les a mis en danger. Je déclare maintenant que les âmes de Dieu. Seigneur Jésus, commence à travailler dans le cœur. Que le Saint-Esprit commence à travailler dans le cœur. Seigneur, nous n'avons aucune capacité. Parce que nous sommes faits de chair. Mais pas tout l'esprit qui habite en nous. Nous attendons maintenant que toute confusion percée dans le cœur disparaisse. La paix s'installe. Là où il y avait la confusion,
doute et la peur. Là où il y avait le doute, venez au bout de la vie. Là où il y avait le peur, la peur, venez au bout de la vie. L'inquiétude, venez au bout de la vie. La détresse, venez au bout de la vie. Je prie. Que la paix vienne, que la quiétude vienne, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit, parce qu'ils sont menacés par les démons, je prie maintenant que le sommeil soit paisible, que le sommeil ne soit plus troublé, qu'il ne soit plus tourmenté par les démons. Merci. Donc voilà, je prie que tu les accompagnes dans leur maison et que ton nom soit béni. Je prie aussi, Seigneur, que tu les ramènes pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te célébrer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, comme on a dit, il est le demain à 9h, nous sommes là. À fond, on est pas de fille. Et nous allons adorer Jésus ensemble. Et ce que nous vous avons dit, et nous vous disons toujours, c'est que vous prenez au sérieux ce qui se passe. Pour beaucoup ici, c'est nouveau. Mais c'est parce que Dieu a choisi votre vie. Et c'est parce que Dieu vous aime que nous sommes déplacés vers vous. Où est-ce qu'on mis? Et personne ne sera découragé. Personne ne va regretter d'avoir donné sa vie au vrai Jésus. Parce que avant même d'aller au ciel, sur la terre, vous allez jouir de la bonté en Jésus, de la grâce en Jésus. Et de toute la bénédiction que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons fini. Il faut le détendre. Alléluia. À demain.